Bonjour maman, vous allez bien? Ça va bien. Bon. Là, on est chez notre... Mon petit, il y a quoi? Viens, viens, prends-le, prends-le. C'est l'enfant de qui? Viens, viens. Ah, il était là-bas. Envoie-le, envoie-le, envoie-le. C'est bon. Donne-lui un demi, là, tiens. Faut plus pleurer. C'est bon, c'est bon. Tiens, c'est bon. Ne pleure plus. Mets dans la poche, mets dans la poche. Mets dans ta poche. C'est la main dans ta poche. T'as dit l'enfant pleure, mais quand tu lui donnes 2017, hein. Là, on est en train d'aller chez notre maman à moins. Parce qu'on a une surprise pour elle. Toc, toc, toc. Mon petit, ça va? Je te jure, elle est dure. Est-ce que tu es une dure? Non. Que Dieu te bénisse. Bonne arrivée, les pères. Ça va bien? Ouais. Et maman? Les gars, toc, toc, toc. Venez. Bonjour, papa. Ah. Okay. Bonjour. Maman, bonjour. Toi, tu es enceinte. Le Seigneur t'a béni. Qui l'a enceinté? C'est lui. C'est qui? C'est lui-même. Ah, non. Maman, moi, c'est le général Makosso. Bonne arrivée. Yakoum. Merci. Yakoum. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a qui encore? Je suis avec le pasteur Djégué. Il est là? Pasteur Djégué. Au sein de notre maman. Voilà. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci maman. Merci. Merci. J'ai constaté que tout à l'heure, quand elle m'a salué, elle cherchait ma main. Oui. Elle ne voit pas bien. Monsieur. Ça va bien? Oui. Tu vas bien? Oui. Tu es chrétienne? Elle est chrétienne? Oui. Oui. De quelle église? Évangélique. Évangélique, quelle église? Tu fais quel travail dans l'église? Il dit au niveau culturel. Au niveau culturel. Maman, nous sommes en train de transmettre ton onction à tout le monde. Envoyez de l'eau. Mmh. Bien. Donc, envoyez de l'eau. Merci beaucoup. Oh, je suis contente. Maman, c'est quand même de vrai. Quand il y a des soins d'artiste comme ça, mon cœur est en joie. Hey, maman, on a vu ton émission sur. Je pourrais le dire. Fafa, là, ça nous a. Fafa, oui, c'était la vie. Ça nous a brisé le cœur. Moi, quand j'ai vu, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très, très sensible. Parce que je me rappelle une fois dans le temps d'avoir organisé un programme au centre culturel d'Abobo. Et puis, tu étais venu. Il y a très longtemps. Très, très longtemps. Un programme. Un programme de prière. Ce jour-là, tu étais dans les parages et puis tu es venu. Mais il y a tellement longtemps, ça vaut près de 10 ans. Là, on était encore au centre culturel d'Abobo. Vous étiez encore au centre culturel d'Abobo. Voilà. Voilà, j'ai organisé quelque chose avec ce jour-là. C'est la première fois que je vous ai vu. Il y a l'émission qu'on a vue là. Maman, ça nous a vraiment. J'étais à Paris quand j'ai vu l'émission, j'ai dit non. Dès que j'ai à Abidjan, la première des choses c'était de venir te saluer. Et on devait passer la dernière fois et on nous a dit que tu partais encore à Boaké pour l'enterrer quelqu'un. On va suivre le protocole. Oui. Bravo. Oui. On va demander nous. Oui. Le général a bien le photo. Le pasteur Djégué, non? Oui. Quelles sont les bonnes nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Je vais d'abord un bonsoir. Okay. Je suis venu saluer la famille. Papa. Oui. Allez. Ils sont venus saluer. C'est une visite de courtoisie. Bienvenue. Et merci pour la visite. Quand on reçoit de temps en temps la visite, en tout cas, ça nous donne un peu de force et de la joie surtout.
Didier. Oui, président. La famille. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, maman, moi, on était tous au courant un peu de son état de santé. Et on suivait un peu de loin. On se disait, bon, maintenant, il y a une amélioration, par la grâce de Dieu, on savait un peu ce que certains essayaient de faire un peu à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'on puisse suivre l'émission de Fafa. Et il y a des choses, on a vu une femme qui avait toujours gardé la joie de vivre, malgré tout ce qu'elle avait traversé. C'est-à-dire, il y a des situations que nous, on traverse, on n'est pas à se suicider. Mais quand on l'a regardé, on s'est dit, ce que nous, on traverse là, ça n'est rien par rapport à ce qu'elle a traversé, mais elle a gardé cette joie de vivre. On sent d'elle qu'il n'y a pas de rancune. On sent d'elle qu'il n'y a pas d'esprit de vouloir humilier quelqu'un, vouloir amener qu'on déteste quelqu'un. On sent que c'est une femme qui est vraiment libérée dans son cœur, qui a plein d'amour à donner. J'ai regardé l'émission attentivement et j'ai pris le soin d'appeler le directeur de Iva TV Musique, Zoumana Bakayoko. C'est lui qui m'a dit, ah vraiment, la maman, elle est là, elle est ouverte. J'ai dit, est-ce que tu me permets d'aller la saluer? Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la raison même qui nous a amené aujourd'hui à venir voir maman à moi. Oh, c'est la raison. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Merci de penser à l'artiste. Voilà. Comme elle a dit il y a longtemps, cela lui donne la joie encore et ça lui donne beaucoup de tonus. Et ça lui permet d'oublier peut-être aussi elle avait des pensées négatives. Bon, quand elle voit des visiteurs comme ça, ça lui fait du bien. Maman, moi j'ai une question. Aujourd'hui, en dehors, qu'est-ce que tu fais comme activité actuellement? En dehors de quoi? De la culture? En dehors de la culture. Moi, je suis née culture. Donc, c'est ça que je fais rien d'autre que la culture. Que rien. Ma vie, là, c'est l'art. Je suis comédienne. Je suis conteuse. Je suis scénariste. Donc, je fais mes affaires personnelles. Actuellement, là, si j'ai l'argent, je tourne film. J'ai mon festival de contes qui passe en novembre. Je fais venir les pays. Je vis de mon art. C'est comme ça que je vis, quoi. Sinon, je ne fais rien d'autre. Si ce n'est pas l'art, tout ce que je fais est dans l'art. Je forme. S'il y a des gens qui veulent suivre des formations, venez, je forme. Je fais la formation artistique. Voilà. On m'invite. Avant, j'étais bien valide, on m'invitait dans les pays. Je partais dans les centres culturels pour donner des formations. Okay. Au pays ici, j'en fais. Donc, c'est de ça que je viens. Je ne fais pas autre chose. Je ne fais pas affaire. Je ne suis pas commerçante. Je ne suis pas couturière. Non. C'est l'art et la culture. C'est tout. Je suis dedans. Et au niveau de la santé, comment ça avance? Bon. Quand je retire mes yeux, tout le reste va bien. Ah, mes yeux, je n'ai aucun souci de santé. Ce sont mes yeux seulement qui sont problèmes. Et au niveau des yeux, qu'est-ce que les médecins disent? Bon, depuis 2020, la médecine moderne a jeté des punches. Parce que depuis 2008, on est ensemble. Donc, j'ai découvert que mon nerf optique est paralysé. Et le nerf optique paralysé, eux, ils n'ont pas de solution à cela. Non, ils m'ont dit que m'adresser aux autres médecines. Là, actuellement, là, je suis avec les gradis. Non, moi, le nom, là, les kinés. Kinésithérapeute. Voilà, ça va être là que je cherche à avoir. Voici le dernier rapport là qui est là. Il va pouvoir me sauver un peu. Pour me dire de me rendre au Maroc, que là-bas, il y a de vrais connaisseurs. Non, je suis en train de chercher la voie du Maroc. Peut-être que là-bas, on pourra faire quelque chose. Au Maroc. On dit qu'il y a les cliniques là-bas à guérir, qui pourront m'aider. Actuellement, là, j'ai touché une clinique, elle dit qu'elle est née paralysée, qu'on n'est pas. Donc, on est en train de chercher. Je pense que la première des choses, peut-être, ce serait qu'il faut le diagnostic. Waouh. Excuse-moi, le diagnostic. Souvent, un médecin peut donner son diagnostic.
qui peut être différent du diagnostic ou d'un autre médecin. Il peut te dire non, il faut peut-être simplement une opération et autres. Donc actuellement, c'est sur ce problème où on est actuellement. Mm-hmm. Voir comment on voit d'autres médecins. Mm-hmm. Si on m'a dit, si on opère comme le nerf optique, qui est le principal des paralysés, là même là, c'est fini. C'est depuis 2012 qu'on m'avait dit ça. Et j'ai gardé le peu que j'avais jusqu'à ce que maintenant là. Mais est-ce que tu as pu voir d'autres médecins pour faire une contre-expertise? Et nous faut ici en Côte d'Ivoire. Le même rapport, c'est ce qu'ils ont dit. Donc j'ai préféré laisser et chercher les. Bon, c'est toi. Je ne veux pas les citer, mais j'essaye de faire trois. Plus H-Mat, ça fait quatre. H-Mat, lui, c'est public, donc on n'a pas besoin de publicité. Pas besoin de publicité. Et les quatre trouvent que le nerf optique est paralysé. Donc si on me perd aujourd'hui, tout devient noir. Alors qu'actuellement, là, à un certain moment, je commence à voir les gestes, les mouvements. Mais quand je ne sais pas, j'ai une balle comme un caméléon. Je dis, c'est un peu propre. Donc je ne sais plus comment faire. Je suis là. Mais Dieu fait grâce. Je sais qu'il y a forcément quelqu'un qui va nous suivre et qui a déjà cette expérience-là, qui va nous contacter pour nous dire, moi, peut-être ma maman a eu la même chose, on allait dans tel endroit où je devais voir. Voilà. C'est comme ça, quand l'information sort, c'est comme souvent tu as un bras qui te fait toujours mal, et puis quelqu'un, c'est comme l'une de mes filles qui est à l'aéroport. Elle avait problème au niveau de son cou, qui descendait dans son dos. Donc, c'est les kinés qui venaient faire le massage là. Or, c'est un problème de nerf, on ne masse pas le nerf. Donc, au lieu de s'améliorer, elle partait de problème en problème. Et je lui ai dit non, pour toi, c'est un problème de nerf, puisque j'ai eu le même problème. J'avais eu un mal dans mon cou et je massais à tout moment. Et je voyais que ça s'enflait. C'est là un jour que j'ai dormi, le Seigneur me dit, c'est un problème de nerf. Donc, j'ai appelé, je crois, un neurologue qui est venu, qui a regardé, qui m'a prescrit quelque chose en 3 jours. Le mal s'est arrêté. Aujourd'hui, le parcelle qui mettait ceinture haute là, le problème est parti. Donc ça dépend des expertises et des expériences. Et moi, je crois que maman à moi va voir. Amen. Quelqu'un m'a pas bien dit amen. Amen. Maman Amina ne me plaît pas. Amen. Je dis amen fort, reçois la bénédiction. Amen. Maman, tu es dans l'art. Et quand un fils vient voir sa maman, il ne peut venir dire que Yako. Papa, c'est pas grand chose, hein. Mais Dieu m'a mis à cœur la maman, au-delà de ce qu'elle fait, c'est une servante de Dieu. Moi, je crois en ça. Amen. Ça, la personne ne peut me démontrer le contraire. Moi, je crois. Je crois que cette maman est une femme. Quand tu lui fais du bien, Dieu te récompense. Amen. J'ai parlé avec mes enfants et ma première fille qui est qui m'a dit, ah papa, il faut aller faire une offrande à moi. Et Dieu m'a mis à cœur de venir te voir comme tu es dans l'art, de remettre 1 million. Pour que tu puisses vraiment faire quelque chose dans le domaine dans lequel tu es. Amen. Donc, maman, ce n'est pas grande chose. Hein. Considère que nous, tes enfants, là, on pense toujours à toi. Amen. Et que tu as une famille. Amen. De la même manière, tu nous as fait rire. De la même manière, tu nous as fait souvent pleurer. Avec ton mari, Dibé. Kwadjo. Mon ennemi, c'était Dibé. Ah, son ennemi c'était Dibé. Ok. Mon mari c'était Kwadjo. Ok, Kwadjo et son ennemi c'était Dibé. Il passait tout ton temps à t'insulter. Voilà. Tu as fait des choses pour ce pays-là. Si aujourd'hui on parle de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas t'oublier. Et on ne viendra pas vers toi dans le but d'avoir un nom. Dieu nous a déjà donné un nom. Mais aujourd'hui on peut venir vers toi pour te dire que tu as encore des enfants qui t'aiment, qui croient en toi, qui prient pour toi. Nous, on va chercher à se renseigner. On espère que par cette vidéo, des personnes qui sont dans le domaine des yeux pourront nous contacter, pour nous donner des informations, afin qu'on puisse voir dans quelle mesure, que ce soit peut-être au Maroc ou en Tunisie. Et actuellement, quand tu dis Dubaï, c'est pas bon de dire Dubaï. Actuellement, là, tu peux pas dire, j'envoie quelqu'un à Dubaï. La porte là-bas, là, tu vois, c'est fermé. Actuellement, il y a un scandale. On dit les gens vont manger caca à Dubaï. Les filles, elles vont à Dubaï. Ah, elles sont faites à Chaga. Elles sont vont là-bas. Les Arabes là font caca sur elles.
font caca dans leur bouche. Donc actuellement, là, même si tu dis, mais à Dubaï pour me reposer, tout le monde te regarde de loin. Maintenant, quand tu viens, on ne parle plus à toi. Même si tu allais faire affaire, on ne parle plus à toi. Mais quel bon argent ils vont gagner? C'est l'argent maudit. Actuellement, on est en train de m'amener même des noms, on m'amène des listes. Moi-même, je suis assez athée, je ne suis au courant pas. Des personnes que je connais, que je respecte. Des gens même que j'appelle mes enfants. Mais on te donne des détails avec des preuves, ça fait peur. Le monde dans lequel nous sommes, je préfère ne rien avoir, mais avoir ma paix du cœur. Que d'envier quelqu'un et de ne pas dormir la nuit. Parce que souvent, tu travailles des moments difficiles, tu te dis, oh, j'ai envie d'être comme telle personne. Non! La personne a envie d'être comme toi. La personne a envie de revenir en arrière pour avoir la petite vie que toi tu as là. Mais elle ne sait plus comment revenir. Parce qu'elle s'est dit, si je reviens en arrière, on dira que je suis tombé. Oh, je préfère qu'on dise, je suis tombé, mais avoir la paix, que je suis en haut et ne pas avoir la paix. Donc, maman, c'est ça qui se passe actuellement dans ce pays-là. Ils ont fini de coucher avec les chiens. Non, là-bas même, c'est, là-bas même, il y a tout même. T'as dit, le gars, mais quand il finit, attends, il dit, il y a mon chien qui est là, il veut faire un coup même. Le chien s'y passe. Son enfant même de 12 ans, il dit, mon enfant là, tu dois le dévier. C'est toi qui es là pour ça aujourd'hui. Et puis les gens, tu me dis comme ça. Mais ces personnes, on leur donne la notoriété, on les voit comme des stars. Pourtant, dans le fond, ces personnes-là souffrent. Ce soir, je rien dit. Ah, maman. Ah, moi, préfère toi. Hein. Je me préfère. Ah. Tel que je suis, Dieu même fera le reste. Mm-hmm. Sinon, moi-même, là, je ne peux pas. Mm-hmm. Mais je me préfère. Mm-hmm. C'est encore mieux. La gloire qu'on voit n'est pas la gloire. La gloire qu'on voit n'est pas la gloire. Moi, je me rappelle dans le temps quand j'étais pasteur à Bobo. Je galais jusqu'à quand je regarde d'autres pasteurs que je connais. Je dis, mais mon Dieu m'utilise plus que lui-là. Mais pourquoi lui, il a une telle gloire, moi, je suis là. C'est plus tard quand tu découvres dans quoi ils sont. Tu dis, je préfère aller à mon rythme. Doucement, doucement. J'ai mes 500 000, je dis amen. J'ai mes 1 million, je dis amen. Que d'avoir des milliards, mais tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas. Tu es obligé de dormir dans la journée. Tu es obligé d'aller dormir sur des cercueils, plutôt sur des tombeaux. Le monde n'est pas le monde. Il y a deux mondes. Je préfère rester avec mon Dieu. Dans quel monde sommes-nous? Non, le monde est gâté. Dans quel monde sommes-nous? Le monde est gâté. Le monde est gâté. La plupart des concours de Miss qu'on voit là, ce n'est pas concours de Miss. Il y a quelque chose en bas. Dès qu'on vous a photographié, on envoie vos photos dans un réseau. Et puis on choisit qui. Et puis on vient te faire la proposition. Tu es là comme ça, maintenant on vient te donner 2 millions. On dit, ah, c'est un homme là qui a vu ta photo, il dit vraiment tu lui plais. On te fait un voyage. On t'amène d'abord au Maroc, tu vas là-bas, tu vis, tu reviens, beaucoup de choses, tu penses que c'est la vie. Et puis maintenant on dit, tu vas à Dubaï. Il y a une soirée privée, tu arrives. Tu connais qui est à Dubaï. On arrive, on prend ton téléphone. Il y a au moins 5 hommes qui sont sur toi. Ils vont s'amuser avec toi. Ils vont après te remettre de l'argent. Mais ce qu'ils t'ont fait là, même quand tu viens, même à ta maman, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas parce qu'ils ont enlevé tout ce qui est humain en toi. Ils t'ont, c'est-à-dire qu'ils ont brisé ton humanité. Même ouvrir ta bouche et dire, voici ce qu'ils m'ont fait, tu ne peux pas. Même on dit, va à la police, tu ne pourras pas. Parce qu'on va te demander d'expliquer, tu ne peux pas expliquer. Parce que c'est la plus grande humiliation de toute ta vie. Chercher la gloire, c'est bon. Mais préférons que Dieu nous donne la gloire. Donc, maman, nous, on est là. Je ne sais pas quand est-ce qu'est ton prochain festival. Je souhaiterais être informé. Je le ferai. Mm-hmm. C'est du 2 au 5 novembre prochain. Mm-hmm. Le festival se passe sur 3 jours. Mm-hmm. Le 2, on fait l'ouverture. Avant ça, il y a la conférence de presse. Mm-hmm. Et la date n'est pas encore déterminée. En septembre. En septembre prochain. C'est en septembre, fait la conférence de presse. Oui. Mm-hmm. C'est en novembre maintenant qu'on fait l'apothéose. Cette année, nous avons invité 5 pays. Mm-hmm. On aura le Bénin, le Togo, le pas encore eu de parrain. Donc, c'est lui, c'est moi le parrain alors. D'accord. Gloire à Dieu. De Dubaï, on ne lui a pas encore dit. Non, maman, ça va, on allait terminer par là. On allait
que dans c'est que le festival là, oui. Considérez que je suis le parrain. Et essayer de faire un plan média pour qu'on puisse contacter nos amis et autres là pour qu'on puisse voir véritablement. Parce que c'est son domaine. Si nous ne sommes pas capables de pouvoir pousser quelqu'un qui est dans son rêve, c'est que nous devenons les sorciers de cette personne. Et nous sommes dans l'un des seuls pays où on n'arrive pas à reconnaître nos icônes. On n'arrive pas à valoriser nos icônes. On n'arrive pas à faire monter nos icônes. Et ça, c'est dangereux. Quand quelqu'un a un talent, au lieu de le faire monter, on veut le tuer. On veut le rabaisser, on veut le teindre. C'est pas bon. Maman, tu as fait ma famille. Ça t'a donné un nom. Mais c'est parce que tu as le talent. C'est ton talent qui s'est exprimé. Maintenant, on doit te pousser dans ce que toi, tu sais faire. Dans toi, tes projets, dans toi, tes rêves. On doit communiquer autour de ça. On doit te pousser dans ça. Et que les autres influenceurs et blogueurs aussi viennent te saluer. C'est ça qu'on appelle la famille. Et ça, c'est important. Donc, considère que pour ton événement prochain, Makoso est l'un des parrains. Parce qu'il faut aussi que Mola, Mola aussi qui est dans la culture, soit aussi parrain. Donc, et ça va de où? C'est sur l'espace qu'elle a là, c'est là qu'on fait l'apothéose. Sur okay. Le goudron là. Sur le goudron là. Il y avait un terrain de football, le goudron a divisé. Nous on récupère notre terrain, on récupère notre terrain. Okay. Le thème de cette année c'est ma paix dépend de la paix de ma nation. Oui. Parce que si nous ne sommes pas en paix, c'est-à-dire si ta nation même n'est pas en paix, toi tu ne seras pas en paix. C'est pas possible. S'il n'y avait pas la paix aujourd'hui, on ne serait pas assis comme bien ça. Bien sûr. On n'allait pas pouvoir se voir. Jamais même. Vivre. Donc, ma paix dépend de la paix de là où je vis. Mm-hmm. Qui est ma nation. Mm-hmm. Voilà. Même si tu es en Europe, que ta Côte d'Ivoire en feu, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Mm-hmm. Parce que c'est ton pays. Mm-hmm. Tu as laissé tes parents. C'est ça. Tes amis ici. Mm-hmm. Tu es en paix. Mm-hmm. Pas en paix. Mm-hmm. Ouais. Dans cette année-là, nous allons bientôt les élections vont commencer. Mm-hmm. On va commencer par mairie, mm-hmm. ça monte. Exactement. Résidence, quoi. Et c'est là que tout le monde commence. Donc il faut leur dire que mm-hmm. notre paix là, dépend de la paix de notre nation. Mm-hmm. Tant que notre nation n'est pas en paix, nous, on ne sera jamais en paix. On a vu ici, mm-hmm. on a vu, ça a commencé par Boaké. Mm-hmm. Les gens d'Abidjan se moquaient des gens de Boaké. Je sais, les Abidjan ont dit, nous là. On ne peut pas quitter notre village pour donner à quelqu'un. Mm-hmm. Mais quand 2010 est venu, pour 2011, là, on a fait quoi? Tout le monde a fait. Ils n'ont pas oublié. Mm-hmm. Ils n'ont pas oublié le village. Mm-hmm. Il faut qu'on soit ensemble, mm-hmm. amener notre pays à conserver cette paix-là, mm-hmm. pour que nous-mêmes nous soyons en paix. Mm-hmm. Parce que tu ne peux pas être en paix tant que ton pays n'est pas en paix. Ça, tu vas travailler clair. Comment? Ça, c'est clair. Vous, pasteur prophète, mm-hmm. quand il y a la guerre, vous priez où? C'est clair. On ne sait pas où se mettre pour prier. Mm-hmm. On ne voit aucun fidèle. Mm-hmm. Alors que les fidèles sont l'épouse mm-hmm. de l'église. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas église, mm-hmm. les fidèles ne sont pas là. Mm-hmm. Si les fidèles ne sont pas là, le pasteur il vit comment? Mm-hmm. Il va parler avec nous. Mm-hmm. Il exerce comment? Tout est fini. Il exerce comment? Mm-hmm. Ma paix dépend de la paix de ma nation. Ah, c'est fort. Ça, le thème de cette année. C'est le père de qui ça? Donc, c'est ton enfant. Comme je le disais, il y a la France qui sera là. Blanche. La France, oui, la France sera là. Mm-hmm. Il y a la Centrafrique aussi. Mm-hmm. Le Sénégal. Le Burkina. Le Burkina. Le Bénin. Le Bénin. Le Togo. Waouh. Actuellement, on a déjà envoyé un peu les demandes un peu dans les ministères mm-hmm. pour pouvoir associer les images mm-hmm. à l'événement. Mm-hmm. Avec le remaniement, nous allons voir. On va relancer encore. Non, vous pouvez relancer. Sinon, notre ministre, elle avait accepté d'être patronne. Ils ont changé le ministre, hein? Oui, oui, ils ont fait partie de notre ministre. C'est qui est venu maintenant? Remarque, Françoise, non? Françoise, ah, Remarque. La femme Remarque, Françoise, là. Ouais. C'est une femme qui est bien, maman. Ah, elle sera là. Non, c'est une femme qui est bien, hein? Ah, elle est bien, nouveau ministre de la culture, là, non oui. Ah, elle sera là. Métisse. Métisse, non, elle est bien, elle aime les choses comme ça. Okay. Voilà. Bébé même métisse dans ma main. Donc, madame le ministre, le festival, là, voilà. Maman, à moins, vous devez être là. Vous savez de quoi je parle en même temps. Toute la nation est à Bobo, de Ambak, vous attend.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez déposé pour Maman Kadia Camara? C'est fait. Non, Maman Kadia Camara, c'est l'une des femmes qui a le plus grand cœur en Côte d'Ivoire. Le dossier en traitement. Je pense que même elle-même, elle est capable de donner 10 millions. Amen. Amen. Maman Kadia Camara, hein, c'est une femme qui est bien. Hein, elle peut donner 10 millions. Amen. Est-ce que vous avez déposé pour le premier ministre? Mais ici, c'est chez les Atiers, non? Je l'avais fait déjà. Non, ici, c'est chez les Atiers, non? Chez les Atiers. Le premier ministre, c'est lequel, Timmy? Atiers. Il est Atiers, non? Oui. Donc, c'est une affaire qui se passe dans un territoire Atiers. Oui. Mais le premier ministre parti à Chiva dit quoi? Il faut qu'on joue un période orchestre. C'est ça. Donc, monsieur le premier ministre, voici maman, moi, vous ne vous en demandez pas beaucoup. Un petit 10 millions, ce n'est pas un péché. Toi-même, il faut voir. Donc, le premier ministre, il est bien. Parce que moi, je vous dis, il est bien. Moi, je suis allé organiser un programme à Port-Boué. Quand on a fini le programme de Port-Boué, il m'a dit, j'ai appris que tu as organisé un programme de Port-Boué. Passe à la primature, j'ai une enveloppe là-bas. Donc, il m'a fait une offrande. Il est bien. Ça a dépassé 5 millions même. Donc, il va donner. Il wow. est bien, monsieur, il est bien. Non, si un Atier joue, si le premier ministre Abati Gaché joue, dirige ce pays-là, vous n'allez pas regretter. Non, il est bien. Il est, tu as l'impression qu'il est fermé, mais il est bien, il donne. Il peut vous supprimer pour venir ici. Il n'a pas de compte. Sauf que lui, il mange à TK avec QS. Le seul problème. Pour lui, il faut lui dire, monsieur, même il est à TK, on ne mange pas avec QS. C'est vrai, c'est un blanc. Il faut lui rappeler ça. Son seul problème, il mange à TK avec QS. Tu n'as pas ça, il est bien. Il est bien. Il y a qui encore? Tu as qui encore? Est-ce qu'il y a Moula? Non. Moli le Moula. Tu n'as pas écrit à Mola. Non, non. Non, parce que toi, tu n'as pas écrit aux gens. Hein. Mola va te donner 1 million dans ces 2 jours-là. C'est maintenant on cherchait à contacter Mola. Non, Mori. Non, Mori, le Mola va t'amener 1 million. Ok. Aye. Même mon fils Stéphane, là. Mm-hmm. Écrivez-le aussi. Lui, tu vois, il va venir. Okay. On peut dire Apoutou, écrivez-le, il va venir. Lui, va donner. Apoutou, même, c'est temps-ci là que je cherche à le contacter. Non, lui va donner 5 millions. Ok. Les gars qui sont bien. Les gars qui sont bien. Tous ceux-là, écrivez-les. Excusez-moi. Allô? Oui, oui. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. 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 Donc rappelle-moi dans 5 minutes, je suis en train de faire un truc, je te rappelle tout à l'heure. On va comment gérer ça. Il n'y a pas de problème, ça va me taper même, ça va depuis l'image du pays. Je te rappelle dans 5 minutes. Tu vois, maman, Mola sera là. Joli bébé comme ça, venez voir ça. Il bille, ça va. Voilà, donc maman, ils seront là. Ok. Voilà. C'est la raison même qui m'a amené te voir là. Pour voir tes projets, autrement, on va te soutenir dedans. Quand Makoso dit, Makoso fait, retenez ça dans vos têtes. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Tes prières ont été entendues. Amen. Ceux qui ont prévu t'enterrer et qui ont décidé, qui ont pensé que c'était fini, seront surpris de voir comment ton étoile va atteindre le niveau que Dieu a prédestiné pour cela. Amen. Amen. Oui. Je suis sur un projet. Mm-hmm. Je l'ai dit dans Papa. Mm-hmm. Je viens de boucler un verset d'épisode de Noir, c'est 3 minutes. Mm-hmm. Là, là. Mm-hmm. On appelle ça Tonton. Mm-hmm. Tonton. Mm-hmm. Quand on dit Tonton, Tonton. Mm-hmm. 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 Donc, quand il est enfant, quand il en fait là, c'est une Tonton. Fait qu'il est vraiment bavard. Mm-hmm. Donc, je viens de boucler les 6 épisodes. Mm-hmm. Pendant le montage. Mm-hmm. Pendant tout. Mm-hmm. 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 Pour le moment, non. Non, Live TV. On le gars là, le directeur de Live TV, il est bien. Hein? D'accord. Qui connaît son nom? Vous connaissez pas le nom du directeur de Live TV là? Non. Vous connaissez pas son nom? Oh non. Ce gars, il est trop bien. Il est bien.
Même truc NCI là. Ou Ivideo est là. Non, le gars, là-bas. Lui, on a son contact direct. Non, le gars, il est bien. Non. Ça, c'est portable. Sonnerie du portable. C'est pas un minute. Voici. Hein, je vois les trucs tom-tom, les gens qui sont pas trop normal. Voilà. Les gaouk, là. Voilà. C'est bien monté, hein. C'est bien monté. Et un truc de 3 minutes. Ouais. C'est le téléphone qui sonne au lieu de débaucher pour danser. Oh, c'est ça. Sonne au lieu de décrocher. C'est pas possible. Ah là là là. Donc, combien d'épisodes vous avez décidé de faire? 26. 26, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Quand c'est prêt, tu me fais signe aussi. On va essayer de voir. Même live, il voit TV Musique déjà, mais prêt. Va l'accepter directement. Et ça permettra aussi de pouvoir donner une autre opinion. Là, on a fini, on a un montage. Et puis, on est sur une deuxième là. Quel est-il? C'est un chauffeur de Woro Woro. Il n'y a pas un jour où il ne fait pas parler avec lui. Il t'a dit, monte à un monnaie. Mais tu n'as pas compris que tu es monté. Ça, vous avez fait parler de ça. Si quelqu'un dit, il n'y a pas monnaie, vous associez vos jetons pour moi. Il va faire parler de ça. Tu as été amené, il va faire parler. La maman aussi a des idées. Hein? Quel est-il? Non, mais il faut le reconnaître. Hein? Donc, bientôt, lui aussi, on va finir bientôt. On a déjà, si 26, on a déjà tourné 8. Puis, attendez, vous avez déjà tourné 8. Sinon, Tonto, c'est le moyen même qui. Donc, vous avez déjà fini tous les tournages. Il reste 8 tâches. Ils sont au montage. Waouh! C'est le moyen même qui font que. Bon, c'est un peu lent, mais on va au rythme. Sinon, on a déjà tourné 6. Et puis, bon, il y a eu des problèmes de temps, des décès. J'ai perdu une de mes chanteuses là. D'accord. Maman ne dort pas. Hein. Je ne dors pas. Elle travaille. C'est l'argent qui manque. Sinon, si c'est pensé là, moi-même, Charline, maman. Ça là, c'est l'esprit aussi. On ne dort pas et puis on travaille. Donc, Charline, toi aussi tu es dedans. C'est bien ça. Donc on a 10 francs. On mange 5 francs et demi. On garde des nous. Et puis quand on a un petit moyen, on fait quelque chose. Et vous gardez. On tourne, on garde, on tourne, on garde. Merci maman. Dès qu'on a fini, tourne là. 26 voilà. Épisodes. Maintenant on va faire Keletigi. Quand on finit les 26 de Keletigi, on va faire la suite de tourne pour que les gens ne s'ennuient pas quoi. On fait passer tourne, on vient mettre Keletigi.
Wow. Et ça, on appelle ça, c'est quoi notre infraction, on appelle ça des amuse-gueules. Mm-hmm. Sinon, là, il y a un projet qu'elle est dessus depuis 2013. Mm-hmm. Un film de 26 minutes, mm-hmm. de 164 épisodes. 164 épisodes. Oui. Qu'on appelle femme d'affaires. Le titre, c'est Femme d'affaires. C'est la lutte contre la maltraitance des enfants. Et comme les gens se sentent... Combien d'épisodes? 164 épisodes. Mais comme les gens se sentent concernés, ils ne veulent pas m'aider. C'est tout. Ça n'est plus tout. Parce que moi, ils vont dans mon salon. Ce que j'ai vu là-bas, là, j'ai bien écrit. Dit qu'ils m'attraient enfin les gens... Et les 126 sont déjà écrits. C'est écrit. On peut te montrer même ce qui a été tourné en pilote. On a fait le pilote et depuis 2013, on cherche des financements, mais on ne finance pas juste là. Non, mais jette là. Sinon, c'est impuissant pour les gens. Même si les 10 premiers épisodes côté village, on a fini. On cherche côté financement pour finir côté Abidjan, pour atteindre les 10 premiers épisodes pour pouvoir continuer le reste. Wow. Faut me rappeler ça. Même le il y a le premier pilote même qui est sur YouTube. Sans dire d'affaires. Femme d'affaires. Femme d'affaires, amoureuse. Ou bien pilote. Femme d'affaires. Faut me rappeler ça. Tu as dit qu'il faut 10 épisodes sur Abidjan mm-hmm. pour pouvoir vendre. Et puis maintenant devenir indépendant, maintenant pouvoir réaliser le reste. Voilà. Ok. Il n'y a pas de problème. Comme on est maintenant la famille, mm-hmm. sache que je suis un de tes parents. Là où ma main s'arrête, quand ma main s'arrête là, je sais qui on doit appeler okay. pour que la main puisse continuer. Amen. Voilà, donc c'est comme ça que je connais maintenant. Amen. Et les personnes que je connais là, le nom, ils ne peuvent pas me dire non. Voilà. Oui. Voilà un monsieur à qui on va dire merci. Mm-hmm. C'est lui qui a été mon premier soutien. Papa. Oui. C'est le rival de Pagé. Ah bon, hein? Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour maman. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui a été mon premier soutien. Mm-hmm. Mais la retraite est venue tout bloquer. Et donc on est là. On vit quand même. Vraiment. Voilà. Les autres, ce sont les enfants. Mm-hmm. Mais là, lui, c'est mon assistant. Mm-hmm. C'est lui qui a demandé une nouvelle. C'est lui mon assistant, c'est lui qui fait tout ce que vous voyez sur Facebook, tout. Sans lui, je ne peux pas travailler comme ça. Mmh. Et Dieu te bénisse. Dieu fait tout, te mettre quelqu'un qui t'enchaîne. Mmh. Et Dieu te bénisse. Merci. Merci. Même quand c'est dur, n'abandonnez pas le rêve. Non. Jamais. Mais quand c'est dur, on est déjà. Non, n'abandonnez pas le rêve. Il y a des moments donné, tu as l'impression que tout est impossible. En 2017, c'était impossible. Hein? Mm-hmm. Qui l'aurait cru? Mais on a persévéré. Persévéré, puis on a traversé 2017. Et puis, on a changé un peu. C'est quoi, Dieu? Et puis, on commence à changer un peu. J'ai repris courage. Donc, voilà. Et aujourd'hui, les portes s'ouvrent maintenant. Amen. Amen. Les portes s'ouvrent. À l'arrivée de l'homme de Dieu. Non, il faut dire, c'est l'émission Fafa, là. Ça a touché beaucoup de personnes. Non, les gens ont pleuré même. Les gens ont pleuré. Surtout quand tu as parlé de 25 000 femmes. Ah, les gens disent non. Oui, c'est pas vrai. Les gens disent non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je n'ai pas caché vérité. Mm-hmm. Mais je n'aime pas vendre l'autre. Non. C'est ça ma force. Et aujourd'hui, tel qu'on te vend, sans que tu as tout pardonné. C'est fini. À longtemps. Il y a longtemps, il n'y a pas donné ça. Moi-même, je partais vers elle, mais c'est les conditions qu'elle a posées qui ont fait que je suis restée là. Mais Dieu sait. Et c'est que dans les conditions, il paraît que la personne elle devait faire une vidéo, je ne sais pas, un truc. Voilà. Demander pardon. Et elle voulait que je m'humilie dans une vidéo pour demander pardon. Moi, j'ai raison. Mais le Seigneur dit. Si aujourd'hui elle dit je veux voir ma soeur à moi, on va s'embrasser, on va se saluer. C'est le travail qu'on effectue ensemble. Parce que moi je passe la vie de mouton à torche.
Moi, je cherche l'argent pour acheter un mouton, faire mon propre sacrifice. Je ne veux plus servir de mouton de sacrifice. Sinon, on peut être ensemble. On peut marcher. Ça ne me dérange pas. Mais c'est le travail, là, je ne vais pas accepter de travailler pour elle. Non, parce qu'aujourd'hui, tu as tes propres idées, tu as tes propres réflexions, tu as tes propres projets. Même avant d'aller chez elle, moi j'avais ma compagnie. Mm-hmm. J'ai une compagnie de théâtre, de conte qu'on appelle Yelema, qui veut dire ainsi, il voit le monde. Mm-hmm. Déjà qu'elle m'a vu à travers les émissions de la télévision, la première chaîne, surtout. Mm-hmm. Elle m'a dit, ah, comme toi, tu aimes le conte, tu sais faire les choses du village, mieux que la grandeur. C'est-à-dire que j'avais déjà une base. C'est ça. J'avais déjà une base, j'avais déjà tourné dans des films. Mm-hmm. Mais comme c'est pour elle qui m'a révélé au grand public. C'est vrai. Sinon, Daiko le connaît. Dosso le connaît. Omega le connaît. Des côtés, on était tous rigolés ici. On était rigolés ensemble. C'est pourquoi il m'a fait l'avocat pour lui parce qu'il était très malin. Très malade, amorphe même. De mon côté, il me connaît. Personne ne savait que j'allais vivre une maladie. Mais le monsieur là m'a supporté. Oui. Dans cette maladie-là, il m'a supporté jusqu'à ce que, en 96, on découvre l'origine de ma souffrance. Et quand on a découvert ça, la tournée du 8, c'est là que j'ai repris les planches. Et je n'ai plus relâché les planches jusqu'aujourd'hui. Et tu ne vas pas relâcher aussi? Non. Jusqu'à... Non. Voilà, oulala. Jusqu'à oulala. Uh-huh. En tout cas, c'est bien dit. Jusqu'à oulala. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est pourquoi il dit ça à lui, le merci, parce qu'il pouvait me suivre. Oui. Mais il ne l'a pas fait. Du coup, le jour où je suis fâché, le docteur dit, tu dis quoi même? Tu es fâché. Tu ne bouges pas ici. Non, on se connaît. Dieu merci. Raphaël. Oui. Raghi. Oui. Flora, Charline, qui est là? Moi. Lorraine, Atom. On va dire merci au général et au pasteur Gigi. La visite est une visite de courtoisie, mais là, moi, je dis c'est une visite de vie qu'on vient de me donner. C'est une visite de vie. C'est quelqu'un qui pense à toi. De deux, il se déplace. Il vient de chez toi. De trois, et puis te fait un grand geste. Je n'ai que le Seigneur pour lui dire merci. C'est tout. Si Dieu reconnaît ce qu'il a fait là, c'est bon. Voilà. Parce que si Dieu reconnaissait qu'il va payer ce qu'il a fait. Ah, mais il est assez. Moi, il parle Bangui. Ma mère est Bangui. Hey, Bangui. Boaké. Boaké, ton nom. Boaké, c'est que je sais ce que c'est Boaké. Boaké, vite, même a dit un quartier. Bon. Ngataklo. Il y a Brucro, ça c'est pour les parents. Réponds le deuxième nom. Brucro. C'est là-bas on était avant hier la Chaline. C'est pas la partie là-bas. C'est là-bas que ma mère vit. Mais comme ils ne nous ont pas élevés comme les gens du village, quand il dit papa, allons au village, il y a trop de sorciers là-bas. On dirait où il a bien ici, il a dit papa, venir. Laisse-le. Moi, je veux que 10 ans. 10 ans avec les sorciers, je les connais. Tu marches aussi, hein? Aujourd'hui, maintenant, on te parle, on dit qu'il faut parler de ton étier, maintenant tu es bloqué. Tu es bloqué. Mais moi, j'ai envie d'enseigner le parmi les gens. Ceux qui veulent apprendre parmi les gens, j'ai envie de faire ça. Correctement. Oui. Alors, moi, je parle parmi de Poitiers. Il y a un peu de mots pour vous. Je peux te changer ma voix et puis te parler. Tel parmi là et puis je suis devant. Ouais. Et quelle fait la différence entre Baoulé et Gordé? L'entendement. Gordé, c'est l'intonation de la voix. Et le ton là, ça fait trop rire. Sinon, le Gordé, quand il parle, tu sais que il vient de sur le Baoulé, de Gordé, d'un gros, qui ne saisit pas ce que le Gordé dit facilement. Sinon, ceux de Poitiers, ils sont voisins là-bas, ils s'entendent, ils se comprennent là-bas facilement. Et nous, quand nous les hommes de Boulé, d'Aoukro, quand nous parlons, c'est les amis de Bongoani, Dimoufou, on se comprend facilement avec les hommes. C'est la différence. Nous, on tire un peu sur la nuit. Oui. Et ils sont Poitiers. Merci.
Merci beaucoup. Depuis le bordel, il veut se dire qu'il est trop puissant. Mm-hmm. C'est ça qui fait la défaut. Mm-hmm. Babadji. Le mot est sorti. Ça, c'est depuis 2013, hein. Je cherche, il n'y a personne. D'accord, il y a pas de souci. Au père, ne trompez pas mon numéro en même temps. Tu es sur WhatsApp? Oui, elle me met sur WhatsApp. Non, elle dit quelqu'un me demande. On dit, tu ne vois pas, tu fais comment pour répondre au tito? Automatiquement, on t'écrit, tu réponds. Il dit, ah, dis-moi de moi-même, je peux. Il y a quelqu'un dans mon dos qui fait. Il dit, ah, d'accord, je comprends. Ah là. Tu es bien organisé et tu es bien entouré. Ça. Il n'y a pas d'ordinateur là-bas. Envoyez-moi l'ordinateur. Tous mes ordinateurs m'ont lâché. À défaut de courant, il y a eu tout ce qui est. Il a vu ça. Il a vu tous mes appareils. Non, cool. Oui, je suis là. C'est ce petit ordinateur qui m'a demandé à qui l'aille. Dieu va envoyer son nom. Amen, amen, amen. 0, 1. Si vous avez des ONG qui ont ça, il ne va pas m'envoyer. Ça marche. 50, 50, 50, 22. Très facile à arrêter. Maman, oui. On va demander une partie de la. Ouais, d'un côté. Il dit qu'il vient. Il est au dehors. On va demander une partie de la route seulement. Et je pense qu'on va travailler, moi et lui, sur le projet du festival et puis sur le projet des 10 épisodes dont elle m'a parlé. On va travailler dessus. D'accord. Je crois en toi. Je ne me déplace pas parce que j'ai envie de me déplacer. Je me déplace quand Dieu me dit « déplace-toi ». Je pense que Dieu va m'amener à faire quelque chose qui va bien pour lui sa gloire. Parce que ton émission, ton projet qui parle de la maltraitance des enfants est un projet important pour toi. Qui doit même être soutenu par l'UNICEF. Parce que ce sont de tels projets d'éducation que des marques doivent s'attacher à cela. Et on va y travailler. C'est juste une partie de la route qu'on demande. Et le reste, on met entre les mains du Seigneur. Mais Dieu que nous prions va le faire. Mais je suis homme de Dieu. Je suis chez vous. Permettez-moi qu'on finisse par la prière. Amen. Non, attends, Ivo. Permettez-moi qu'on finisse par la prière. Okay. Amen. 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 Nous allons prier ensemble. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour la vie de ta servante que j'ai retrouvée. Je te recommande sa santé et ses yeux. Tu es d'abord le médecin par excellence. C'est toi qui guéris. Je te la recommande ainsi que elle et toute son équipe et tous ses projets. Que ta grâce soit dans cette maison, qu'elle ne manque de rien. Que tous les projets qu'elle a énumérés, notre Père et notre Dieu, toi l'éternel Dieu, à qui appartient l'or et l'argent, tu suscites des financiers, tu suscites des partenaires, afin que son festival et tous ses projets de films puissent paraître à l'existence, non pas pour sa gloire, mais pour toi ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sache que ce n'est pas une au revoir. C'est juste je m'en vais, mais je reviens. D'accord. Dieu te bénisse. La famille, on se retrouvera. Très bientôt. Moi, je vais au Burkina logiquement le 21, le 22. Et quand je reviens, je pense qu'à la fin de ce mois, je passerai vous saluer. D'accord. Merci, papa.
Bien sûr. Les petits, ça va? Amen. Comment? Le père Camille. 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 Le père avant de gagner, il sent qu'il est fiangal, mais c'est naissant. Oui, il est fiangal, mon Dieu. Il est fiangal, mon Dieu. Le père du Jésus, le monsieur Bonnet, il va dire, il est le père chez moi. La généralité, ils ont pas envie. Le père, quand même, mon téléphone. Je dis que c'est Dieu qui nous donne la force. Alors c'est que Dieu ne t'a pas donné toute ma force. Et puis alors non. Il dit que vous pouvez vous faire un peu de temps. Oui, le père. Au bel et homme. Mais dis, ça va? Eh, à la voiture là-bas. C'est pas pour la donne. Bonsoir les mamans. Ah, le dieu là-bas, on va faire la photo. Hein. D'accord, on fait les photos. Ah. Ah. Oui, c'est à côté. Oui, c'est à côté. Doucement. Vas-y, elle a bien descendu. Tiens, 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 tiens. Ça fait du dos. Merci beaucoup. Ok, l'eau à la voix.